Hello, hello, moi c'est Karidja pour Berlioz. Pour Berlioz en vadrouille, je recommence. Hello, hello, moi c'est Karidja pour Berlioz en vadrouille. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi je t'envoie une vidéo depuis mon van. Regarde un petit peu où je suis. Je suis pas très loin de chez moi, j'avais besoin de souffler. Et voilà, voilà où je me suis posée. Alors peut-être que tu te poses la question, depuis quand? Depuis quand est-ce que cette vie alternative te parle? Depuis quand est-ce que tu bouges en van? Voilà, tu sauras tout dans cette vidéo. Alors depuis quand? Depuis que je suis petite, depuis aussi loin dont je me souvienne, j'ai toujours eu cette envie de voyager, de bouger. Je ne pouvais pas rester sur place, je ne pouvais pas rester toute seule, j'avais besoin d'être avec quelqu'un, j'avais besoin de pouvoir rêver voyage, de pouvoir penser voyage, de pouvoir, pourquoi pas, plus tard, quand je serai grande, voyager et travailler. Venant d'une famille très rationnelle, très terre à terre, ils m'ont vite cassé dans cette lancée, dans cette idéologie, mais j'ai continué à nourrir cette envie et ce rêve, jusqu'au jour où, en 2013, après m'être crashée dans la vie émotionnellement, j'ai tout plaqué, mon boulot, ma maison, j'ai embarqué un sac à dos et je suis partie. Je suis partie voyager 9 mois pour renaître de mes cendres. Et pendant ce voyage au Maroc, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Mathéo, qui avait un fourgon aménagé, le sien qu'il avait aménagé lui-même de ses petites mimines. Là, la révélation, évidemment, parce qu'un sac à dos, aller de auberge en jeunesse à auberge en jeunesse, ou d'aller chez les gens, ou faire du couchsurfing, c'est gai, c'est chouette, mais c'est vraiment fatigant. Tandis que là, tu combines le voyage avec ta maison sur le dos, c'était fait. Mon rêve était fait, la révélation était faite. J'ai décidé et je savais ce que je voulais pour moi plus tard. Alors, en 2013, j'ai commencé à chercher des vannes de manière frénétique. Après cette rencontre avec Mathéo, c'est ce qui a déclenché. La rencontre avec Mathéo s'était faite en octobre 2013 et depuis cette période-là, je cherchais désespérément un van. Je dis désespérément parce qu'il m'a fallu 2 ans pour enfin trouver ce que je cherchais. Oui. J'avais des critères, en tout cas j'en avais un en particulier, et tous les vans que je voyais ne rencontraient aucun de ces critères. Pour les connaître, va regarder sur ma prochaine vidéo. Il semblerait que je ne sois pas sédentaire, d'accord? Il semblerait que la vie de sédentaire ne soit pas du tout faite pour moi. Comme je dis, depuis petite, je bouge. Depuis petite, j'ai envie de bouger. Je rêve de bouger. Et maintenant que je suis adulte, je continue à bouger. Et de plus, même si j'ai été adoptée, j'ai l'impression que ces racines, que ces gènes d'origine se sont inscrits en moi. Je viens d'une peuplade qui est devenue nomade, qui a dû, pour des raisons de survie, bouger de pays en pays ou dans le pays d'un endroit à l'autre, du nord au sud, etc., etc., etc. Et peut-être que ça, sans avoir grandi dans mon environnement original, c'est quand même inscrit dans mes gènes. Alors, mais pour poursuivre ce rêve, il fallait quand même que finalement je quitte le boulot. C'est pour ça que maintenant je suis devenue indépendante. Et j'ai 2 faces alors, d'accord? J'ai 2 casquettes, j'ai la casquette où je me déplace avec Berlioz professionnellement ou pour des vacances et je fais des coachings aussi en ligne de manière nomade, nomade digitale. Mais j'ai également un centre de soins et un cabinet. Donc je ne suis pas un full-time, une full-time van-lifeuse parce que j'ai des clientes qui ont besoin de moi, qui ont besoin de mes soins au niveau physique. Et que donc, voilà. Et je ne sais pas si je suis faite pour la vie complète en van. Voilà, voilou. Voilà, voilou un peu depuis quand
Depuis quand j'ai commencé ça, depuis quand j'ai rêvé de ça, j'ai enfin trouvé mon van en 2015 et ça fait donc 3 ans que je vis une magnifique aventure avec ce petit van, ce petit Berlioz. C'est un Fiat Ducato, voilà. C'est un Fiat Ducato, petit, 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 petit gabarit, comme tu peux voir. Et j'ai une espèce de boule de poils aussi. Polly? Voilà. Avec qui je bouge, évidemment. Avec qui je me déplace également. C'est mon petit compagnon de route, ma petite compagne de vie également. En cas de coup dur, c'est chouette d'avoir un chien, même si elle comprend rien. Mais elle. Voilà, en quoi que je pense qu'elle comprend, d'ailleurs. Même si elle ne répond pas, je suis sûre qu'elle comprend. Voilà. Donc, si tu as envie que je me déplace près de chez toi avec mon van pour animer une conférence, pour animer des ateliers, pour faire des soins bien-être, ou si tu as envie que je te coach à distance, il n'y a pas de problème. Mets un lien, mets un commentaire dans ton lien, dans le lien, pardon, en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!